caractéristique de la race de Skye Terrier. Le Skye Terrier est un chien élégant et élégant. Ils sont solidement construits, avec des os substantiels et deux fois plus longs qu'ils sont. Le Skye Terrier a souvent des pattes courtes et un dos long. Leur mouvement est libre et sans effort. Leur couche extérieure dure et leur sous-couche serrée peuvent aider à fournir une certaine protection contre les intempéries. Leur manteau extérieur est droit et plat, d'une longueur de 5,5 pouces ou plus. Leurs cheveux couvrent souvent leur front et leurs yeux. Histoire de la race de chien Skye Terrier. L'Écosse est depuis longtemps un bastion de petits terriers courageux, et le Skye Terrier est parmi les plus anciens d'entre eux. Ils se sont développés le long de la zone côtière ouest, où ils chassaient dans les cairns rocheux. L'origine de ces chiens était sur l'île de Skye, et les chiens ont donc été surnommés Skye Terrier. Ils ont été décrits pour la première fois au XVIIe siècle, alors qu'il était déjà remarquable pour leur long manteau. Il existe une certaine confusion dans le traçage de leur histoire car, pendant un temps, plusieurs races différentes ont été regroupées sous le nom de Skye Terrier. Le vrai Skye Terrier est devenu important en 1840 lorsque la reine Victoria a apprécié la race, gardant à la fois des chiens à oreilles tombantes et piquantes. Cela a amélioré leur popularité à la fois dans la haute société et parmi les roturiers, et les Skye sont rapidement venus en Amérique. La KC a reconnu la race en 1887. Malgré l'apparence distinctive de la race, leur popularité a diminué et ils font maintenant partie des terriers les moins connus. Le Skye le plus célèbre de tous les temps était Bobby de Greyfriars, qui a dormi sur la tombe de Greyfriars pendant 14 ans jusqu'à sa propre mort. Il continue encore sa veillée, enterré à ses côtés. Une statue commémore ce plus fidèle des chiens. Tempérament de la race de chien Skye Terrier. Le look doux du Skye Terrier dément sa nature robuste. Ils sont un membre de la famille aux manières douces, l'un des rares terriers assez calmes pour vivre en ville. Cependant, ils ont encore besoin d'exercices quotidiens et de marches. Ils peuvent être sensibles mais têtus. Le Skye est affectueux avec sa famille mais prudent avec les étrangers. Ils ont tendance à s'entendre assez bien avec les autres chiens du même foyer, mais peuvent ne pas bien se mélanger avec des chiens étranges. Ils sont extrêmement courageux et peuvent faire un bon chien de garde à la maison, détectant les étrangers ou les visiteurs et aboyant en réponse. Entretien de la race de chien Skye Terrier. Ces chiens profitent d'une sortie quotidienne, explorant dans un endroit sûr, comme une cour clôturée. Ils ont également besoin d'une marche courte à modérée pour rester en forme. Un peignage régulier, environ deux fois par semaine, est tout ce qui est nécessaire pour garder le Skye en bon état. Un bain occasionnel ne ramollira pas trop leur pelage, comme c'est souvent le cas avec d'autres terriers. Les cheveux autour des yeux et de la bouche peuvent nécessiter un nettoyage supplémentaire. Santé de la race de chien Skye Terrier. Préoccupation majeure, aucune. Préoccupation mineure, fermeture prématurée du radius distal, maladie du disque intervertébral. Occasionnellement vue, toxicose du cuivre. Test suggéré, aucun. Durée de vie, 12 à 14 ans. Avertissement concernant la race de chien Skye Terrier. Remarque, bien que les caractéristiques mentionnées ici puissent souvent représenter cette race, les chiens sont des individus dont la personnalité et l'apparence varient. Veuillez consulter l'organisation d'adoption pour plus de détails sur un animal en particulier. Avant de commencer à regarder la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant notre vidéo, et être informé de nos nouvelles vidéos.